y a une journée qui a été quasiment parfaite. On s'est réveillé très tôt. En fait, la veille, on avait eu une petite déception sur un glacier parce qu'on avait été obligé de faire demi-tour parce que le glacier était trop peu rassurant. Il y avait beaucoup d'eau et dès qu'on creusait un peu, en fait, on tombait sur de l'eau. Donc, on avait décidé de faire demi-tour. On était, voilà, c'était un peu tard en saison, un peu tard en journée. On était retourné à notre bivouac et on s'est dit, bon, demain, on part sur tel autre glacier. Là, ils ont donné l'exposition. Et en plus, on y va tôt le matin, ça devrait être parfait, on devrait pouvoir arriver tout en haut. On est donc parti de bonne heure. Tout s'est parfaitement passé, le glacier était facile, il présentait pas de risques, de difficultés. En haut du glacier, après, on est passé sur une partie rocheuse. On a pu atteindre un sommet vraiment sympa. Une fois arrivé en haut, je pense qu'on a tous les deux eu le sentiment qu'on avait en fait atteint les objectifs de l'objectif de cette expédition qui était d'aller au Groenland en kata de sport et d'aller y grimper des montagnes. Et là, c'est ce qu'on avait fait. On était arrivé sur place, on était au sommet d'une montagne avec une vue absolument incroyable de tous les côtés. Et pour la première fois depuis qu'on était arrivé, on découvrait à quel point c'était immense, puisque c'était la première fois qu'on avait vraiment un point de vue aussi dégagé. Et on se rendait compte que les montagnes qui nous entouraient, qui étaient déjà gigantesques, et bien, il y en avait d'autres encore plus grandes, quasiment à perte de vue. Et puis derrière ces montagnes-là, l'Inland 6, la calotte glaciaire qui démarrait et qui, pareil, semblait être totalement infinie.